Yop les refs, j'espère que vous allez bien. On se change pour une nouvelle vidéo les gars. Tournoi achat de bonus les gars. On a 8 machines. On va les faire s'affronter en 1 contre 1. Celle qui gagne passe le tour. Celle qui perd ne passe pas le tour. Il y aura un gagnant à la fin, tout simplement. On est parti pour ceux qui n'ont jamais vu le concept. C'est parti. Ok les gars, donc on est parti tranquillement. On va commencer avec Sweet Bonanza. Sweet Bonanza qui sera opposé tout simplement à End of Anubis, bien évidemment. On est parti. On va acheter des bonus du coup à 5€ sur chaque machine. Celle qui fait le moins bon multi, tout simplement, ne passe pas le tour d'après. Et ensuite, petit à petit, voilà, il y a un bracket, un arbre de tournoi, tout simplement. Et on va voir quelle est la meilleure des slots qu'on a choisi. Alors, j'ai choisi que des classiques aujourd'hui, que des machines que j'aime bien jouer en ce moment. On verra si j'ai eu raison. Et on verra si... voilà, moi, mon petit favori, c'est Sweet Mill. Bon, comme vous pouvez le voir, ça commence pas très très bien. Comme vous pouvez le voir, on part pas sur les chapeaux de roue. Mais en ce moment, je gagne beaucoup sur Sweet Mill. Mais apparemment, pas sur ce bonus-là. Ça m'étonnerait qu'elle passe ne serait-ce que le deuxième tour. À moins que des multis arrivent à tomber au bout d'un moment. Faut quand même un retrigger, why not. J'espère que vous allez bien, les gars. Vous avez passé une bonne journée, que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude. Ok, ce serait bien d'avoir un peu de connection. Ouais, ok. Ouais. Eh ben c'est pas fou. C'est pas foufou tout ça les gars. 223,50€ pour ce premier bonus. Ok. Attends le ref, avant de continuer la vidéo, je te rappelle que dans le premier lien dans la description, t'as le bento. Il y a le lien pour rejoindre le Discord. Il y a 50€ à gagner tous les jours sur le Discord. Ça fait 1500€ à gagner tous les mois les gars. N'hésite pas à le rejoindre. Ok, deuxième bonus les gars, du coup End of Anubis qui doit battre 223,50€ si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, bien évidemment. On est y part tout simplement. Et les gars, comme d'habitude, à la fin du coup de la vidéo, on ira faire deux petites battles sur Empire. Bien évidemment. J'espère que... Voilà, j'ai pas encore eu les retours parce que les vidéos sont pas encore sorties, mais j'espère que vous allez kiffer cette petite intégration. Et que vous allez kiffer le site pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui découvrent. Normalement, ceux qui regardent les lives, les gars. D'ailleurs, je rappelle en live tous les jours, à partir de 18h sur des lives, vous avez le lien dans la description. Mais voilà, pour ceux qui découvrent, j'espère que vous allez apprécier les gars. En tout cas, nous on s'amuse bien. Nous on s'amuse bien dessus. Et on aimerait bien alors en fait j'ai envie de faire un bon bonus sur End of Anubis, bien évidemment. Mais en même temps j'ai envie que Sweet Bonanza passe. Parce qu'en ce moment vraiment, un fois 2000 hier, un fois 1000 avant-hier. Mais là en vrai une belle connexion de premium. Ça peut aller très très vite sur End of Anubis. Et ben c'est déjà gagné, 280€, c'est déjà gagné. On a notre premier qui passe le deuxième tour. Enfin, notre première machine qui passe le deuxième tour. Encore un peu de connexion peut-être pour être remboursé, ce serait cool. Non, ok. Ok, ce sera pas remboursé mais c'est une victoire. End of Anubis les gars, il passe au deuxième tour. Ok les gars, deuxième tour, Dork Unit qui sera contre Rip City. Tout simplement, deux Axo en face to face bien évidemment. On va acheter deux fois le bonus de base, pas de bounty. Et let's go, voyons voir. En vrai, il y a une full line qui commence à se dessiner. On va pas dire qu'elle est là, mais elle commence à se dessiner, on commence à avoir quelque chose. Vous la voyez juste ici bien évidemment, hein. Vous n'êtes pas aveugle, elle est juste ici. Maintenant, il faut arriver à fil ce qui manque, bien évidemment. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre machine préférée dans les commentaires. Ça fait longtemps que j'ai pas trop de... Voilà, donnez-moi un peu des machines que vous voulez que je joue dans les commentaires. Je guetterai un petit peu et j'y penserai tout simplement pour les prochaines vidéos. Et malheureusement, ça va être la fin du bonus déjà. Et je rappelle qu'il y a 2x25 balles à gagner dans les commentaires. Regardez le commentaire épinglé. Tout est expliqué là-bas, les gars. Tout simplement. Ok, 247, c'est pas fou. On a toujours pas fait un x100. Pour l'instant, on a toujours pas remboursé un seul bonus. Rip City, les gars. Rip City, on est parti. Va-t-elle faire mieux que Dork Unit? Ce serait cool. Ce serait cool d'avoir une machine qui nous fait un petit x100 au moins. Honnêtement, ça ferait plaisir. Je sais pas si on va réussir. Enfin, si, j'espère qu'avant la fin. Si. Non, pardon. J'espère qu'avant la fin du tournoi, on va réussir quand même. Sinon, ce serait une vidéo pas faux folle.
Ce serait une vidéo pas faux folle. Ça fait longtemps qu'on a pas fait de tournoi achat. Voilà, j'y ai pensé, tu vois, je reviens sur le rinté, ce serait quand même bien que je sois récompensé. En vrai. Sinon, on va pas le refaire, le concept. Si on perd de l'argent. Et je sais que vous aimez bien les tournois, mais voilà quoi. Mais voilà. Apparemment, ok, si ça va. 690, pardon, j'ai mal parlé. Ok, bon bah c'est Rip City qui se qualifie. Et en plus, on a fait un peu de bénéf. Nice. Evil Eyes, mesdames et messieurs, on est parti. Evil Eyes qui sera contre Fruit Party. Alors tout à l'heure j'ai dit Sweet Bonanza en ce moment c'est ma préférée. Mais c'est faux. C'est faux parce que j'avais omis cette machine qui est en ce moment mon petit coup de cœur. Honnêtement, je ne joue pratiquement. Enfin, pratiquement que cette machine, non, ce serait mentir. Et je la joue tout le temps. Ah bah. Alors là, vous vous dites Chronique, pourquoi tu la joues tout le temps? En vrai, c'est rare de faire des bonus comme ça. Mais bon, 65 euros, là, je pense qu'on va être éliminé premier tour, tout simplement. Surtout, les gars, qu'elle est opposée à un classico des classiques, j'ai envie de vous dire. Free de partie. Let's go. Bon, il n'y a pas énormément à battre. Ça devrait le faire. Au moindre hit, normalement, c'est gagné directement pour Free de partie. Je serais très surpris que Free de... Bon, après, quoique. Elle est capable, quand même. Elle est capable de faire un dead, mais normalement, voilà. Ouais, voilà, c'est fini. C'est déjà une victoire. Oh, les pommes. Ok, on manquait un peu de pommes. Dommage qu'il n'y en ait que 7. Ça manquait également un petit peu de multi. Mais why not. Les prunes, ok. Étoile, dommage qu'il n'y ait pas de multi encore une fois. Allez, au moins être remboursé, au moins 500 balles, ça serait cool. Au moins 500 balles. Est-ce que c'est trop demandé? Peut-être. Ok, c'est trop demandé, mais bon. Free de partie qui passe au prochain tour. Why not? Ok, les gars, Doghouse Megaway qui va être opposé à le bandit du coup pour ce dernier 1v1 du premier tour. Tout simplement, on est parti. Alors bon, Doghouse Megaways, on connaît les gars, c'est quatrième rouleau ou nada. Hein, on la connaît, on va pas faire genre, ah peut-être, non, y a pas de niche ici, c'est un bonus de merde, on connaît les bails. Et on l'aime bien quand même. Là par exemple, s'il y est pas maintenant, ça commence à être ok, là on peut commencer à rêver. Même s'il reste que 2 spins, malheureusement c'est que des fois 2, petite niche ici ça aurait été pas mal non plus. Une grosse connexion, hein. Oh y a rien, c'est vide. Ah putain, la niche quatrième rouleau pour faire un bonus comme ça, ça fait chier. Ah, ça fait chier, 102 balles. Ok, le bandit les gars, le bandit, on est parti. Alors je l'ai acheté à 5, j'ai acheté Doghouse à 4, donc on va faire un peu au rapport. Mais bon, vu le bonus qu'on a fait Doghouse, voilà, j'espère que le bandit va pouvoir gagner facilement sans que j'aie à me casser la tête et à faire des formules mathématiques. Je me fais pas mentir. Un petit chaudron, ok, un autre chaudron, un multi sur le chaudron, sinon c'est un peu gaze, même un multi sur le chaudron c'est un peu gaze. Ok, un multi sur le x24, ça commence à être intéressant. Pas de multi malheureusement, mais c'est déjà une victoire nette et sans bavure de le bandit. Voilà, il n'y aura pas eu besoin de forcer. Maintenant, aller chercher un peu de bénéf, on dirait pas non. Je crois que sur les 8 premiers achats, on a fait un seul bonus. Un seul achat, pardon, en positif. Et un petit peu décevant. Un petit peu décevant, ne nous mentons pas. Pas de retrigger, pas d'éclair, enfin pas de... Ok, on récupère 2 spins. Pas de retrigger, mais... Troisième. Un petit arc-en-ciel, en vrai, il y avait un setup pour aller chercher un billet. Dommage, 212 euros sur le bandit qui va quand même se qualifier malgré tout. Du coup, les gars, actuellement, on est là-dessus. Donc, End of Anubis contre Rip City. Free de partie contre le bandit, c'est les demi-finales. Let's go. End of Anubis, c'est parti. Du coup, qui est contre Rip City. Let's go. Let's go. J'aimerais bien un jour faire une dinguerie sur End of Anubis, ça m'est toujours pas arrivé. C'est vraiment, c'est la machine où tu sais qu'il y a un potentiel. À chaque fois que tu la joues, tu dis waouh. Ah ouais, quand même. Mais malheureusement, bon. J'ai jamais eu de folie dessus. Même si je sais que ça existe. Hein. J'en ai vu, mais je n'en ai pas eu. Là est toute la différence. Mais un jour. En vrai.
on débloque ça, on récupère des spins, on a 12 de spins en vrai. Why not, ça commence à être pas horrible, monter les multis ce serait pas horrible non plus. On bloque une quatrième case, why not. Ouais. Remonter les multis. Connecter. Oh. Ok, on a tout unlock. On a tout unlock, on a 14 spins les gars. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien ça. Ça c'est très très bien ça. Ouh, est-ce que ce serait pas... Est-ce que ce serait pas ce bonus? Est-ce que ce serait pas ce bonus les gars? En tout cas, il y a un vrai potentiel. Attends, attends, 12 spins restants. S'il te plaît, me troll pas. Ne fais pas que des dead spins, par pitié. Même regarde les as de merde comment ça paye. Ne fais pas que des dead spins, fais-moi une énorme connexion. On va me chercher un foie. Par pitié. Par pitié. Par pitié, une connexion de premium. Je t'en supplie, une connexion de premium. Oh, pour l'amour de Dieu, une connexion de premium. S'il te plaît, wesh. Les multis de fou. Oh là là, mais regarde même les 10 comment ça paye. Fais-moi la même connexion avec des premiums, je t'en supplie. Connect des premiums, connect des premiums, connect des premiums, connect des premiums. Oh mon dieu, même avec un setup pareil, on se fait bait, c'est une dinguerie. Bon, elle devrait se qualifier facilement au prochain tour, mais là on était plus du tout dans le tournoi, là je voulais juste prendre un fois 8000 en fait. Dommage, 1398. Ok, bon, j'adore Rip City les gars, mais je pense que ça va être quand même assez dur. Je pense que ça va être quand même assez dur pour elle de battre... Ça va être quand même assez dur pour Rip City de battre notre ami... notre ami End of Anubis, avec ce qu'elle nous a fait juste avant. Ouais, on récupère 4 spins, mais bon. Ça va pas nous rendre... ça va pas nous rendre Claude François. Pourquoi je dis ça? Allez! Au moins un minimum, enfin défends-toi. Pas de multi, c'est ridicule. 120 euros, c'est ridicule. Bon, de toute façon, elle avait perdu d'avance. Ouh, jamais quand même. On sait jamais quand même, hein, parce qu'on a eu un setup de fou, mais on n'a pas eu non plus. On a eu un fois 300. Et puis, elle est largement capable, malheureusement, ce sera une élimination. On lui dit au revoir, les gars. On lui dit au revoir, on l'aime beaucoup. Mais elle ne sera pas en finale. Et ce sera du coup, fruit party, les gars, contre le bandit. Deuxième demi-finale, on est tipard. Voyons voir laquelle... Laquelle des deux sera la plus rentable. C'est pas le mot parce que depuis tout à l'heure, elle passe les tours. Mais on perd de l'argent. À ce que j'appelle la rentabilité. Voilà. En tout cas, c'est pas la définition que j'en ai. On va dire que c'est celles qui me font perdre le moins pour l'instant. En vrai, free de partie, j'y crois. Hein. Un jour, j'arriverai à faire la max win cette machine. J'ai l'impression que tout le monde a max win free de partie. À part moi, j'ai l'impression que je suis le seul. J'ai vraiment l'impression que tout le monde a maxé cette machine. Alors je sais pas si je suis un grand malade. Quand je dis tout le monde, bien évidemment, on s'entend. Beaucoup de gens, j'ai l'impression, dans max win. Moi, déjà faire un fois 100 dessus, c'est un miracle quoi. Trigger peut-être. Même pas. Ah c'est low, 108,50€. Bon, j'espère qu'elle se qualifie pas. Ok, le bandit les gars, le bandit, on est parti. J'aimerais bien avoir le bandit en finale. Le bandit contre End of Anubis, honnêtement c'est une belle finale. C'est une finale qui a de la gueule. Même si je crois que le bandit, si je ne m'abuse, hein, est passé deux fois sur un bonus en moins de fois 100. Mais on connaît son potentiel, on sait de quoi elle est capable. C'est une machine qui m'a beaucoup fait gagner, donc... Je peux jamais, tu vois, je peux... Même quand elle me fait des dead et tout, je peux pas trop m'en plaindre, tu vois. C'est un peu comme de Zeus. Les machines sur lesquelles, quand t'as beaucoup gagné, on crache pas dans la soupe, les gars. On ne crache pas dans la soupe. Par contre, on a un vrai setup. Petit arc-en-ciel. C'est rien de reconnecter les cases qu'on a déjà connectées. Hein. Ça change rien. Petit arc-en-ciel. Ok, nice. En vrai, il y a beaucoup de cases. Ok, il y a un chaudron en plus. Oh, un multi, les gars, à côté du chaudron. Un multi à côté du chaudron, là, juste après. C'est déjà un fois 100 dans tous les cas. Mais là, un multi à côté du sang. Oh non, il met les multi à... Oh non. Ici, il doit être là, celui-là. Mais c'est un très bon bonus. Nice. C'est un très bon bonus. Nice. 1390. Ah, en vrai. Dommage, le multi, tu me le collais.
Le multi, tu me le collais, c'était la patate. Hein. Le multi, tu le collais, c'était la patate. Un petit arc-en-ciel en plus? Je pense qu'on l'aura pas, mais on demande quand même. Voilà. 1412 euros, les gars. Et ben, c'est une victoire nette et sans bavure. Nette et sans bavure de la part de le bandit. Ok, les gars. Et du coup, notre grande finale va être End of Anubis contre le bandit. Un achat chacun. On va faire du coup un achat chacun à 2005. Et puis, on va voir ce que ça donne. C'est parti. On est parti, du coup, les gars. End of Anubis. Achat 2005. Let's go. Let's see. Let's see, let's see. J'aimerais bien récupérer le même setup que tout à l'heure. Quoique, c'est pour avoir le même setup et un bonus au moyen. Bon, c'est pas moyen, c'est un fois 300, c'était un bon bonus. Mais et ma mère, c'était un setup à Max Win. Une connexion de premium. Une connexion de premium, c'était Max Win. Mais bon. On peut pas tout avoir, les gars. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Enfin, bref, je sais pas c'est quoi la suite. Vous avez l'idée. Oula. Oula. Bon, ça devrait être une free win pour le bandit. Ça devrait, je dis bien. Parce qu'en vrai, on sait jamais. Le start est assez chelou. Ok, 230 euros. Bon, bah, 230 euros à battre pour le bandit avec un achat à 2005. Ça devrait aller, je pense. J'espère. Allez, le bandit, récupère-nous. Récupère-nous cet argent. Fais-nous au moins une vidéo où on passe en positif. Parce que là, l'achat 2005, il nous a fait mal. Let's go, c'est maintenant, c'est à toi. Je rappelle du coup les gars, bon. Normalement, il n'y a plus trop de suspense. Enfin, on sait jamais, hein. J'espère qu'on va pas faire un dead bonus sur le bandit. Et les gars, voilà. Après, on va aller s'ouvrir deux petites battles sur Empire. Pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille de rester. Vous allez kiffer, je pense. J'en suis presque sûr en vrai. On va aller se faire deux petites battles. Ok, à 500 balles sur Empire. On a encore un très bon setup. Oh, et on passe en bounty avec ce setup là. Ok, maintenant on veut des arcs-en-ciel souvent. Ok, directement 1. Hein. J'aime bien. Ok, pas de chaudron. Bon, malheureusement, on a plein de multi, mais que sur des petites pièces. Ça, c'est chiant. Ça, c'est toujours frustrant d'avoir des multi sur les pièces bronze. Mais on prend dans tous les cas 2000 et on est en bounty surtout. On veut un enchaînement d'arc-en-ciel. Les arc-en-ciel, 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 arc-en-ciel. On a un vrai setup. On a un vrai setup, mais des arc-en-ciel. Ne nous fais pas passer en bounty pour ne pas nous donner d'arc-en-ciel, s'il te plaît. Oh non, ça se fait pas. Comment ça se fait pas? Au moins un. Au moins un de plus, par pitié. Au moins un de plus. S'il te plaît. Non, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça et que je suis même pas... Ah, on est même pas remboursé sur le bonus. 2110. 2110, les gars. Bon, bah, c'est quand même une victoire. C'est quand même une victoire de la part de le bandit. Donc, bravo à elle. Malheureusement, bon, on a quand même perdu de l'argent sur cette session. C'est pas grave, j'espère que vous avez kiffé en tout cas, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve du coup pour les box Empire. Ok, les gars, du coup, on est parti. Première battle sur Empire. Let's go. Let's go, let's go. J'ai mis 5 box, d'une valeur à peu près 100 euros. L'intérêt, du coup, pour nous, va être d'aller chercher le plus possible. Le plus possible, tout simplement. Pour ceux, du coup, qui connaissent pas, peut-être c'est la première fois que vous regardez des vidéos, les gars. Empire, on est sur un site de caisse. Voilà, on fait une battle 2 contre 2. Moi et quelqu'un contre 2 autres personnes. L'idée, c'est d'ouvrir les caisses et d'avoir plus de valeur que l'adversaire. Et pour l'instant, cette battle se passe très, très bien. Oh, Empire spin en plus. Non, il va pas passer. Il va pas passer, mais on doit gagner la battle. À moins que d'une dinguerie maintenant, ce que je n'espère pas. On va gagner cette battle. On va gagner cette battle et on devrait faire un beau petit bénéf. On devrait faire un beau petit bénéf. 540 euros, les gars, d'achat sur la battle. On a pris 925 balles. Donc ça met bien. Ça met bien. Belle petite battle. On va s'en refaire une. Ok, les gars, deuxième battle. J'ai décidé de faire une battle à 1000 balles. Je me dis que vas-y, on a gagné une belle battle. On va essayer de réinvestir, entre guillemets, cet argent. Voyons voir si on peut aller choper une petite dinguerie. Voyons voir si on peut aller choper une petite dinguerie. Ce serait cool. Pour l'instant, ça commence pas très très bien. Bon, on a de l'avance. Pour l'instant, on gagne. Mais la valeur de la battle est très très low. L'Empire Spin. Oh, ça peut être énorme, les gars. Ça peut être énorme sur une box à 231 euros. Ça peut être une dinguerie. Si c'est du doré, c'est énorme. Du rouge. Ah, c'est bien. C'est combien? 2000 au moins. Oh, 3000. Nice, let's go. Ok. Normalement, on devrait gagner la battle, les gars. J'ai pas envie de m'avancer. J'ai pas envie de m'avancer. Il faut juste pas qu'il ait un Empire. S'il a un Empire Spin à droite aussi, on est dans la merde, les gars. C'est quoi un Empire Spin pour ceux qui connaissent pas? C'est un spin où vous êtes garanti d'avoir un très très gros item. Et on fait une super battle. On reprend 1000 balles encore. Battle à 1063, on prend 2100. Eh ben les gars, on a fait nos deux battles de la journée. On va s'arrêter là. Ça fait plaisir. Pour l'instant, sur Empire, tout se passe bien. Pour les vidéos YouTube, ça met bien.
Les gars, du coup, si vous voulez tester en pair, je rappelle, vous avez 5 boss gratuites, vous regardez dans la description, vous avez toutes les infos. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars, vous avez kiffé la partie casino et la partie empire. Merci à ceux qui regardent aussi la partie empire, ça aide pour le watch time. Fais des bisous, les gars, faites une bonne soirée, une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, les refs. Ciao.